Horacio Rodríguez Larreta. Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur France 4 pour vivre une nuit qui sera blanche. Les athlètes de demain vous donnent rendez-vous à Buenos Aires. Du 6 au 18 octobre, retrouvez les moments forts des JO de la jeunesse. Exploits, déceptions et espoirs de la génération de Paris 2024. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, le MAG, tous les soirs à 23h sur France 4. Bonsoir et bienvenue pour notre résumé quotidien sur France 4. Ce soir, j'ai le plaisir de vous accompagner avec Thierry Adam et Alexandre Boyon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jean-Philippe. Je vous propose de commencer tout de suite avec le concours d'adresse de basket féminin. Et voilà, c'est la fin de ce grand résumé. Vous êtes habitués maintenant sur France 4 tous les soirs. Bonsoir Thierry. Bonsoir. À demain à 22h50. Nouveau rendez-vous avec les JOJ. Bonne soirée. Bonsoir, bonjour, bienvenue à Buenos Aires pour un moment qui sera forcément plein d'émotions. La cérémonie de clôture, c'est le moment où l'on va se dire au revoir, mais au revoir dans le bonheur, dans la joie, après 12 jours de compétition extraordinaire. Bonsoir Jean-Philippe, on est des privilégiés ce soir. On a eu la chance de suivre tout ça depuis le début, certes depuis Paris, mais on n'a pratiquement rien manqué en vous confectionnant chaque soir un résumé de 52 minutes. Donc on est très heureux d'être là parce qu'on a vu beaucoup de ces athlètes qui vont défiler dans quelques instants réussir de belles performances, Alexandre. On est heureux parce que ça s'est très très bien passé finalement à Buenos Aires. Hein. C'était une organisation impeccable. Direction Tokyo, oui, bien évidemment, avec ses athlètes en 2020. Nous y serons avec la flamme. Ciao, bonne nuit et faites de très très beaux rêves comme tous ces athlètes. Bisous à tous, bonne nuit, à très bientôt sur les antennes de France Télé. Buenos Aires 2018!